Bon matin! On se retrouve quelques jours plus tard. On est rendu le 7 juillet. Ce matin, je suis... Léo, il lit son livre. Ce matin, je filais comme so-so. Fait que là, c'est ça, je sors de la douche pour me réveiller un peu. Vu que la température est comme un peu amorphe ce temps-ci. Fait que c'est ça, j'ai mis mes patchs pour les yeux pour me réveiller un peu. C'est mon meilleur ami. Puis je suis déjà rendue à mon deuxième café, mais celui-là, c'est un café glacé. J'ai commencé la série Elite sur Netflix et là, je capote. Je l'ai commencé hier. Tu peux la prendre. Je l'ai commencé hier. Et je suis déjà rendue à la saison 2, je crois, épisode 6. Sérieux, là, je suis tellement rendue accro. J'aime vraiment ça. Puis je comprends pas pourquoi je l'avais jamais écouté encore. Mais ça me fait penser un peu à la série, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont écouté, la série How to Get Away with a Murder, genre sur Netflix, là. C'est un peu dans le même style. Moi, franchement, on l'a écouté au complet les 6 saisons, pis on a vraiment aimé ça. C'est pareil comme Elite, ces gens y arrivent comme de quoi, soit une disparition, un meurtre, un enlèvement, puis tout au long, dans le fond, de la saison, t'essaies de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, dans le fond, au début, tu vois le moment présent, mettons, avec les policiers, après ça, tu vois au courant de l'épisode, mettons, genre, qu'est-ce qui s'est passé, mettons, 3 mois, 1 mois plus tôt. Après ça, t'en reviens. Mais je trouve ça vraiment bon, parce que des fois, tu fais comment c'est ça, c'est lui, puis finalement, c'est pas lui. Puis c'est ça, la seule différence, c'est qu'Elite, c'est comme au secondaire. Puis l'autre, c'est à l'université, puis c'est des jeunes qui étudient pour être avocats. Puis dans le fond, ils travaillent comme pour leur professeur qui est avocat, puis là, c'est ça. Mais c'est vraiment bon. Puis là, il y a comme des histoires d'amour à travers ça, puis moi, je tripe vraiment là-dessus. Mais genre, pour vrai, je tripe vraiment, je dis à Francis. Tu sais, genre, il a vraiment aimé Murder, mais je sais qu'Elite, il aurait pas aimé parce que c'est plus ado. C'est plus mon genre de série, fait que c'est ça. Fait que là, ben, hier, j'arrêtais pas de l'écouter avant d'aller me coucher sur mon ciel, parce que là, il gamait, puis il était comme, encore, j'étais genre, tu comprends pas, j'aime vraiment ça. Un matin, j'ai commencé aussi un épisode, mais là, j'ai fait pause parce qu'il fallait que j'aille en douche. Fait que, c'est ça, en fin de semaine, on a fêté la fête à Francis. Il était tellement content, c'était genre vraiment parfait, il était à la pêche, il a pogné plein de poissons. C'était vraiment une belle fin de semaine pour lui, puis il a fait super beau, fait que là je me suis fait bronzer. Et j'ai pogné quelques petits coups de soleil qui est rendu moins rouge, plus brun, mais c'est ça. Pourtant je me suis crémée là, mais le soleil était tellement fort, mais j'ai jamais profité autant de ça de Léo. Même Léo était brûlé à tous les soirs, on le couchait puis il dormait en 2 secondes là, pour vrai. C'était comme vraiment une belle fin de semaine. C'est pas mal ça. Ce matin, j'ai décidé que c'était nuageux. Ben, j'ai décidé. C'était nuageux dehors, puis je me suis dit. Là, je filais. Je suis comme je vous ai dit, so-so. Fait que là, j'ai décidé de mettre ma petite cire Sensi sorbet de lime. Le mont sorbet, ça doit être ça, en tout cas. Pour que ça sente un peu plus l'été. Fait que là, ça fait du bien, ça sent bon dans la maison. Aujourd'hui, je suis en congé. Fait que là, je voulais aller faire l'épicerie parce que je l'ai pas fait encore. Puis Maxime, elle voulait qu'on aille magasiner un peu, genre fouiner dans le magasin parce qu'en plus, il fait pas tant beau. Fait que je vais sûrement faire ça pour moi sortir Léo un peu de la maison parce que là, tout est mouillé dehors. Fait que là, ben, je voulais l'envoyer dehors, mais pour qu'on joue ensemble. Mais là, il vente puis c'est mouillé. Fait que c'est comme plus plate. Fait qu'on va sortir un peu, là. C'est ça que ça fait quand t'as pas de garderie, hein? Tu peux pas dire, ben, je vais t'envoyer t'amuser avec tes amis, ça va te faire du bien, mais non. Fait qu'on va sûrement aller se promener. J'aimerais ça aller à la friperie parce que je veux regarder pour des vêtements de chalet. Les nouveaux souliers aussi pour le chalet, pour Léo, parce que là, il grandit trop vite des pieds. T'arrêtes de s'endormir. J'aimerais ça faire ça. Je sais pas si je vais avoir le temps. Ce soir, les chats se font raser parce que là, ils perdent tellement de poils, ça n'a pas de bon sens. Fait que...
On est dû. Puis après ça, je pense que c'est pas mal ça. Je me souviens pas si j'avais d'autres choses à vous dire en une semaine. C'est vraiment passé des choses, mais en même temps, c'était pas tant important à vous raconter. Fait que c'est ça. J'ai aussi profité en fin de semaine pour faire mes ongles. J'ai osé le rose. C'est nouveau. Est-ce que j'aime ça? On le sait pas trop. Là, je vais enlever ma serviette sur ma tête. Puis je pense que je vais déjeuner. Puis on va peut-être aller faire l'épicerie tôt. Parce qu'il est rendu 8h45. Je pourrais aller faire l'épicerie tôt ce matin, ça serait fit. Je sais pas trop. Ça va dépendre de comment je le file. Les journées grises de même, là. Sérieux, je passerai ma journée en pyjama à écouter des séries. Je trouve ça vraiment difficile de me planifier. Hier, c'est pas mal ça que j'ai fait, moi, vous avouez. Puis là, Léo, ses vaccins, ses effets secondaires commencent à y rentrer dedans. Comme j'avais dit, les vaccins à Léo, ça peut aller jusqu'à 12 jours après le vaccin. Là, il commence. Là, il est chigneux le matin, c'est moins pire, mais hier, il était tellement chigneux. Il a dormi, genre, je pense, 2h le matin, 2h l'après-midi. Puis il a tout fait sa nuit, là. Puis à matin, il s'est réveillé juste parce que Francis, il s'est levé pour aller travailler, sinon il dormait encore, là, à 7h. Fait qu'il y a du sommeil à reprendre. Fait qu'il s'amuse avec son beau livre que j'ai acheté de Tikkenter. Hein? Tu peux baisser lui aussi. Une poule! Je vais aller me préparer, déjeuner puis tout, puis je vais vous en revenir un petit peu plus tard. Yeah. Fait que là, finalement, j'avais un flash. Je vous avais comme pas revenu sur ça. Je vais enlever ça. Puis c'est mes patchs Karen Jonka. Puis vous savez, hein, j'en ai déjà dit dans un vlog, puis je sais que je vais souvent me répéter, mais vous savez que vous êtes pas obligé de les jeter. Vous pouvez les remettre sur votre petit papier et les mettre au frigidaire. Parce que moi, avant, je les jetais. Mais on se mentira pas que c'est assez cher pour des petites patchs. Quand même 4$ pour des petites patchs. Puis tu peux les remettre dans ton paquet, les mettre au frigidaire. Puis tu peux les réutiliser 3 à 4 fois après. Okay, moi, j'aime bien ça pour me réveiller le matin. Puis quand ils sortent du frigidaire, ils sont tellement froides. Ça fait super du bien. Bref, ce que je voulais, c'est vous revenir sur mon produit. Oh, mon Dieu, Léo, excuse, je t'ai pris sur un doigt. Mon produit là que je vous avais reparlé. Pour les cheveux là, que je vous avais dit que j'avais acheté dans une pharmacie. Puis que c'était comme 13$. Puis que je voulais genre l'essayer parce que pour moi, je veux pas mettre de quoi. Je veux pas payer trop cher, genre 45$, 50$ pour quelque chose que je veux que ce soit juste naturel pour l'été parce que je vais payer plus cher pour mettre un shampoing sec. Fait que lui que je prends, genre le Living Proof, lui je le paye plus cher, mais c'est à cause que je l'aime vraiment puis je le sais que ça fait bien. Puis le shampoing sec pour moi, c'est encore plus important qu'une crème qui va juste vaguer mes cheveux plus naturellement. Parce que avant j'utilisais beaucoup de shampoing sec, mais on dirait que depuis que je suis maman, j'utilise encore plus le shampoing sec. Fait que c'est ça, c'est comme une crème que tu mets dans ta main. Puis elle sent tellement bonne, j'allais déjà utiliser plusieurs fois. Cette semaine, j'ai utilisé déjà une fois, là, ça c'est ma deuxième fois. Mais j'allais vraiment aimer, mes cheveux étaient vraiment moins comme gris chou les cheveux par rapport. Puis ils ont senti bon juste quand je les lave ce matin, mettons, pour donner une idée, là. Je les ai lavés dimanche. Dimanche soir, j'en ai mis. Il était tellement beau lundi. On sentit bon jusqu'à hier, jusqu'à matin parce que là, je les lave. Puis ils sentent pas trop la noix de coco pour vrai parce que je trouve, tu sais, des fois, ça sent trop fort. Puis moi, j'aime pas tant ça la noix de coco personnellement. Fait que là, dans le fond, j'en mets dans mes mains. Puis là, j'en mets dans mes cheveux. Puis pour vrai. Oh, ça rend pas les cheveux gras. Fait que j'étais vraiment contente parce que, moi vous dire, j'ai les cheveux gras assez facile. Puis, pour vrai, s'il faut que je mette de l'huile ou que je mette des trucs de même dans mes cheveux, là, j'ai l'impression que c'est pire. Mais, honnêtement, je les ai lavés hier, jeudi soir, dimanche soir, 8h30. J'ai mis ça dans mes cheveux. Je me suis couché les cheveux un peu humides. Je me suis fait une couette, ce que je fais tout le temps une fois dans mes cheveux quand je dors. Puis quand je me suis réveillée, lundi, j'ai fait ma couette. J'ai juste fait ça dans mes cheveux, puis il était vraiment beau. Ça donne ça. Puis là, ben, ils vont sécher à l'air libre, puis. Je vais pouvoir vous montrer ça live. Au courant de la journée. Bon, fait que, il est déjà rendu. Midi, fait que là, Léo vient de finir de manger, moi aussi. Il est tout habillé.
Il est full beau en jeans avec un bon chandail. Je me suis aussi habillée finalement, puis je me suis mis un peu de mascara. Regardez mes cheveux. Pour vrai, j'aime ça. Tu sais, c'est vraiment naturel. Là. C'est peut-être pas le produit le plus top, mais pour moi, j'aime vraiment ça. Fait, je voulais vous montrer mon petit kit que j'ai mis aujourd'hui. Fait, j'ai mis mes culottes de Shine. Mon petit crop top, belle au pluriel, que j'aime beaucoup. Puis j'ai mis une camisole dans mes pantalons. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui parce qu'ils vendent vraiment beaucoup. Genre juste... C'est... Comme hier, il faisait genre 27 et plus. Puis on se mourait. Puis là, ben, il fait vraiment froid. Ah, mon bébé! Est-ce qu'on s'en va faire un petit tour au magasin? Oui? Viens, on va aller mettre tes chaussures. Puis là, j'avais oublié de vous montrer l'achat qu'on a fait hier soir, moi et Francis. On a acheté cette belle tour d'observation pour Léo, pour la maison, pour qu'il puisse être debout avec nous au comptoir. Puis on l'adore vraiment. Regardez comment elle est pas trop grande. Et sinon, ce n'est pas d'une compagnie québécoise, c'est un monsieur à Jonquière qui les fait chez lui. Puis il les met à vendre sur Marketplace. Fait que nous, on a vu ça, on a sauté dessus. Tu sais, c'est neuf, là. Puis on l'a payé 90$. C'est vraiment beau, puis... Tu sais, ceux des compagnies sont plus larges, puis ils coûtent pas en bas de 150, en tout cas pas ceux que j'avais vus. Puis moi, je veux pas de quoi de gros, parce que ma cuisine, comme vous le voyez, n'est pas très grande. Fait que c'est parfait. Puis en plus, elle est ajustable, ici. Fait que, tu sais, moi, Francis, on l'aime vraiment beaucoup, là. Hier, je tombe en amour, fait que... Oh, t'as faim, Léo? Fait qu'on l'aime vraiment beaucoup. Fait qu'en fin de semaine, je pense qu'on va la vernir au moins. Non, c'est vide. Hé, tu fais des graines. Fait que c'est une très belle achat. Je suis vraiment contente de ce qu'on a trouvé. Ça fait longtemps que j'en veux une parce que Léo, souvent, quand on fait à manger, il chigne pour qu'on le prenne parce qu'il veut venir voir ce qu'on fait. Puis, tu sais, veut pas avoir un enfant dans les bras. C'est difficile de faire à manger. Ah, j'ai un ami. Fait que c'est ça. Là, il est midi, on s'en va à Jonquière, je vais aller retrouver Maxime, on va aller à Friperie, on va aller chez Mod Choc, on va aller au Dollarama, puis je vais aller faire mon épicerie. Bye, je dis bye, parce que là, je n'ai pas fait, tu viens tuner? Bye, bye, parce que j'ai pas fait mon épicerie ce matin, j'ai encore écouté Elite, je suis rendue déjà à la saison 3, je capote, j'aime tellement ça. Bye, fait que tu dis, ben, on va se voir plus tard. Puis finalement, mon rendez-vous m'a rasé les chats, il a été annulé. Fait que ça va être encore un peu plus tard. Bye, fait que au pire, je vous ferai un petit haul de ce que j'ai acheté. Fait que je vous dis bye, puis à tantôt! Revenir à la maison, il est rendu 4h, je suis brûlée raide. Je viens de me flancher une barre de chocolat parce que, sérieux, c'était une des pires fois que j'étais allée faire l'épicerie avec Léo. Pour vrai, là, il a tellement crié, là. Genre, t'es allée faire nos commissions, t'es allée à la friperie, on est allée chez Mod Choc, puis tout, on est fini par l'épicerie, mais là, il s'endurait plus, il était vraiment tanné, là. Je le comprends, mais genre, il criait, sérieux, il se sauvait. Il pleurait, il était tellement fâché, là.
Ah, oh, ça a mieux. J'avais tellement chaud. Tout mon masque me collait dans la face. Là, j'étais genre... Oh, c'était vraiment pas le fun, pour vrai. Là. Fait que j'ai arrivé ici à Francis. Il est arrivé pas longtemps après moi. Il était comme, qu'est-ce que c'est ça? J'étais genre, je mange du chocolat. Là. Laisse-moi draguer. Fait que je vous montrerai pas mon épicerie parce que je vous la montre quand même souvent ce temps-ci. Puis, veut, veut pas, ça se ressemble pas mal. Mais je voulais vous montrer... J'ai commencé à boire ceci. Je crois que c'est nouveau, mais c'est Coors qu'il fait. Puis c'est genre de l'eau pétillante alcoolisée. Je trouve que ça goûte vraiment l'eau pétillante. Puis genre l'eau pétillante à la lime, j'aime ça. J'ai goûté en fin de semaine et j'ai adoré. Ça goûte zéro l'alcool. Ça me fait vraiment penser à de la White Claw que je prends habituellement. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté des canettes. C'est quand même 6 canettes pour 13$. Là. Fait, j'en achèterai pas souvent, mais... J'en ai acheté une, puis en tout cas, s'il y en a qui veulent l'écouter, moi je trouve ça vraiment bon. Ça goûte vraiment pas la bière, vraiment pas là. Fait que je vais m'en mettre au froid parce que ce soir il y a une game d'hockey, bien sûr. Le Francis, il est déjà dans la douche pour être prêt. Fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, chez Maxi, ben à part acheter ça différent, tout était correct. Mais on est allé au Dollarama. Fait que je me suis acheté une nouvelle brosse à cheveux parce que là, la mienne était vraiment maganée. J'ai acheté une nouvelle brosse à dents, Léo. Ça venait avec une petite voiture. C'est trop mignon. Parce que sa brosse à dents qu'il avait un matin, il a comme commencé à taper sa poubelle avec. C'était vraiment dégueulasse. Il y avait genre un shampoing sec. En tout cas, c'était... Le traîner à terre, ça a duré du temps. C'était pas le fun. Une petite bouteille d'eau comme ça avec des requins. C'était genre 2$, 2,50$. Et je la trouvais bien. Puis ce qui est le fun à l'intérieur, c'est que ça allait comme de la glace. Ben, de la glace. Si je mets ça au froid, ça va faire comme une glace. Puis ça va être parfait pour quand on va jouer dehors. Ensuite, j'y ai trouvé des petites chaussures comme ça. Des chaussures d'eau. Elles sont un petit peu grandes, mais pas tant que ça. Pour quand on va jouer, mettons à la plage ou des choses comme ça, là, ben, ça va bien faire ou dans la roche. Puis je crois que c'était 4$ et c'est des 7. Fait que c'est un peu grand, mais tu sais, pour marcher de même, ça fait. Je me suis pris des petites pinces comme ça pour attacher mes cheveux. J'ai racheté un paquet pour faire des glaces, pour des cafés glacés. Fait que pour Dollarama, j'avais pris ça, mais bien d'autres choses, genre des cochonneries, des chips de chocolat. Pour faire plaisir à Francis, j'ai acheté une grosse épée comme ça. Faire des bulles avec Léo. Pour ce qui est de l'autre partie, ben, je vais attendre Francis parce que j'ai acheté des choses. Mais je vais vous montrer. On est allé à la friperie. Fait qu'on est allé à la maison de quartier à Jonquière. J'ai trouvé quelques petites choses, mais pas tant. C'était vraiment beau, j'y avais jamais été. C'était le fun, il y avait comme un mini café, une petite place pour manger, puis tout. Fait que j'ai trouvé ces genres de petites sandales-là. Ça m'a coûté, je pense, 3$ pour vrai, là. Des petites sandales-là pour le chalet, avec un chandail aussi pour le chalet. Je me suis rendu compte avec Léo que j'avais pas de t-shirt. Mais j'ai beaucoup de camisoles, mais pas de t-shirt. Fait que. Il est fou de beau. Fait qu'un autre petit chandail. Fait que ça, pis ça, ça m'a coûté 3$. Et j'ai acheté ça aussi. C'est un traitement antimicrobien pour les fruits et légumes. Pour laver mes légumes. Fait que ma belle-mère, elle l'a. Puis en tout cas, bref, ça. Ça fait bien. Fait que c'est pour ça que je l'ai acheté. Puis c'est sans rinçage. Fait que c'est ce que j'ai pris. Mais il y a une chose que j'ai acheté que genre je capote. Est-ce que vous êtes prêts? Une famille heureuse vit ici. C'est trop mignon pour mettre en avant de ma porte dehors. Dans le fond, j'en ai pas... J'en avais une, c'était j'espère que t'as pensé au vin, mais là ça fait comme 3 ans qu'on l'a, il est vraiment magané. Je l'avais pris chez Rose Bonbon, puis il était vraiment plus dispendieux. Lui, il m'a coûté 13$, je crois. C'était vraiment pas cher, chez Mochoc. Fait que j'étais tombée en amour. Fait que pour le reste, je vais vous en venir dans quelques minutes, le temps que Francis sort de la douche, puis je vous montre les assiettes. Ce que ça donne, j'aime vraiment ça. C'est full beau. Fait que là, je vais enlever le petit tapis en dessous, puis ça va juste être lui. J'ai acheté des chandails à Francis. Fait que j'ai acheté celui-là. Il est vraiment beau. J'essaie de mettre l'autre pour que vous voyez. J'ai acheté celui-là. Je le trouve vraiment beau. Et mon préféré, j'ai acheté celui-ci.
C'est beau, c'est genre des ours avec des moutons. Des moutons. Des montagnes. Fait que c'est ça pour mes petits achats d'aujourd'hui. Fait que je vais tout ramasser ça. Préparer, on va préparer le souper. Puis je vais peut-être en venir un peu plus tard, là. Pour jaser ou pas, peut-être. Je sais pas encore. On va voir comment ça va aller. Fait que je vous dis à tantôt! Bon matin, on se retrouve un peu plus tard, ben un peu plus tard on se retrouve en vrai le lendemain. J'avais pas conclu mon vlog hier parce que hier soir c'était l'enfer. Léo était tellement chigneux, il s'est couché à 7h je crois. Puis je pense qu'il s'est réveillé deux fois en pleurant, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a, je sais pas si c'est vaccin. Je me suis rendu compte qu'il y a 3 dents qui sortent en même temps. Fait que là ben c'est ça, je sais pas trop... C'est vraiment triste, j'aime pas ça le voir comme ça. Fait que c'est pour ça que hier, ça me tentait vraiment pas de filmer. Le matin, il y en a moins pire. Francis a écouté le hockey hier. C'était... Moi, j'étais brûlée. J'étais allée me coucher. La game était même pas finie. Oh mon dieu. Pardon. Là, c'est tout fait que m'a gorgé. Fait que je vais conclure ce vlog ici ce matin. Fait que j'espère que vous avez apprécié mon petit vlog d'achat. Crie pas, je t'entends avec mes oreilles. Viens, maman va s'asseoir à côté de toi. Tiens, t'es-tu content là? Fait que j'espère que vous avez apprécié. On dirait que ce temps-ci, je fais juste ça, faire des vlogs d'unboxing, mais c'est parce que j'ai l'impression que. Que c'est juste ça que je fais, parce que je fais pas d'autres activités à part aller faire des commissions. bientôt, je vais faire d'autres activités. Fait que c'est ça, aujourd'hui je travaille après-midi, l'effet soleil, fait qu'on va sûrement... On va sûrement aller jouer dehors tantôt ce matin, profiter du soleil, attention au café à maman. Puis je vous dis merci d'avoir été là encore, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Laissez un commentaire, un like ou un dislike, c'est comme vous voulez. Puis je vous dis à bientôt dans un prochain vidéo. Est-ce que tu dis bye bye? Bye bye! Et bye bye! Bye! À bientôt!